Ingrid Chauvin a confié une anecdote hilarante à propos de son fils Tom, 6 ans, à Pure People. Le jeune garçon est un véritable petit farceur, ce qui amuse énormément la comédienne. Ingrid Chauvin est extrêmement attachée à sa famille, et surtout à son fils Tom, 6 ans. Elle s'est souvent confiée à cœur ouvert dans plusieurs livres à propos de ses expériences douloureuses, dont le deuil de sa fille, son parcours pour adopter un enfant ou encore la maternité. La comédienne du feuilleton Demain nous appartient est très proche de son petit garçon, fruit de son histoire d'amour avec son ex-mari le réalisateur Thierry Pétieux. Depuis 2021, Ingrid Chauvin partage sa vie avec le photographe Philippe Varin. C'est une histoire particulière car j'ai retrouvé un amour de jeunesse d'il y a 20 ans, a-t-elle partagé à Télé Loisirs. Son compagnon est à la tête d'une fratrie de 3 enfants, ils forment ensemble une famille recomposée qui s'entend à merveille. Je me suis rendu compte qu'une des baies vitrées sur une salle de bain était très largement fendue. Ingrid Chauvin et Philippe Varin ont depuis emménagé ensemble. Ils vivent avec leurs enfants qui sont d'ailleurs à l'initiative du déménagement. C'est même eux qui nous ont incités. Nous avons une chance inouïe car nos enfants s'entendent à merveille, nous a-t-elle raconté. Le quotidien avec une famille nombreuse n'est pas de tout repos, et la comédienne a récemment dévoilé une anecdote hilarante avec son fils à Pure People. Il n'y a pas très longtemps, je suis rentré et je me suis rendu compte qu'une des baies vitrées sur une salle de bain était très largement fendue. J'ai dit tiens, si est-il bizarre, Tom, qu'est-ce ce qu'il s'est passé? A-t-elle partagé à nos confrères. Je sais que si est-il lui. Ça ne peut être que lui. La comédienne était loin de se douter de la réponse de son petit garçon. Maman, je ne sais pas, je crois que si est-il la famille des chats qui a fait une bêtise. Ingrid Chauvin savait pertinemment qu'il était fautif, mais la situation était très amusante. Il est incroyable parce que forcément, je sais que si est-il lui. Ça ne peut être que lui. Et il n'est ne démord pas quoi. Il est impossible de lui en vouloir après une excuse aussi adorable. À lire aussi La famille est toujours là, Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, Demain nous appartient, donne des nouvelles de Clément Rémien, leur fils de fiction.